pour le face-à-face. Le face-à-face de Tofi Kaoun, eh ben, on y va. Je vais tout dévoiler aux téléspectateurs puisque avant de commencer l'émission, je vous avais demandé, je vous avais dit, est-ce que vous voulez qu'on garde le miroir ou qu'on le supprime pour vous? Vous m'avez dit non, je tiens à faire l'interview du miroir, mais à ma façon. Là, vous êtes carrément derrière le miroir, alors expliquez-nous pourquoi. Ben, tout simplement, parce que ça ne sert à rien du tout de se mettre en face ce miroir. En tout cas, Anna, je voulais être plus objectif et plus utile pour moi-même, pour mon art et pour ma société. Donc, pour mieux s'expliquer, Anna, je me suis mis ici, derrière le miroir, le public, les téléspectateurs vont regarder le miroir. Qui est en réalité Tofi Kaoun? Anna, je représente le miroir parce que je suis un artiste et l'artiste, c'est le miroir de sa société. Donc, c'est pour ça que le message à ma manière, le téléspectateur. Voilà. Waouh! Oh là là! Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Hein. Voilà. Vous êtes fort, Tofi Kaoun. Vous êtes fort même dans votre réflexion et dans vos réponses. Et franchement, bravo! Alors, on va continuer l'interview. Tofi Kaoun, on allait en parler tout à l'heure dans l'émission. J'ai préféré choisir ce moment-là, qui est beaucoup plus intime. Vous aviez fait un petit arrêt par rapport à votre carrière. Est-ce que c'était parce que vous étiez déçu? Est-ce que vous en aviez eu marre? Voilà, vous vous êtes dit, ça y est, je jette l'éponge, je ne continue plus. Anna, j'ai sacrifié mes études au détriment de cette musique, en attendant que le résultat, le répondant plutôt, soit meilleur. Bon, Dieu merci, le public même, les gens même dans la rue, Yahousoualiya, à chaque fois, c'est bon, tout fait raoun. Même les artistes, il y avait une journaliste dans une radio qui m'appelait, Trolli-toi, tu es le chanteur des artistes. Parce que, comme les abonnés, Dieu merci, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais pourquoi vous avez réfléchi à arrêter un certain moment? Machine, j'ai pris un peu de répit, si vous voulez, ou la hajab, pour mieux comprendre ce qui se passe. Pour mieux comprendre ce qui se passe, ou peut-être trouver une solution. C'est vague. Non. Moi, du moment que je suis arrivé à me contenter de ce que j'ai, je peux me considérer comme un homme heureux. Très bien. Eh bien, Rabbi tawel fi amrak. Allah yselmak. Rabbi yatik ma titmenna. Amin ya Lilia. Et merci beaucoup d'avoir été aussi sincère de l'autre côté du miroir. Voilà. Tu n'as rien miroité, c'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. Oh, bravo Toufer, merci beaucoup. Allah yselmak. Allez.